Hey yo les gars, c'est Melo, aujourd'hui nouvelle vidéo les gars, j'ai du très lourd pour cette vidéo. Vraiment, vous allez câbler je pense. J'ai le premier teaser officiel de la saison 3 qui vient d'être leak il y a moins de 30 minutes. Là c'est pour ça que je me suis empressé de faire cette vidéo. Je vais vous l'afficher à l'écran dans 3, 2, 1, regardez ça. Donc du coup les gars, regardez ce que je vous ai mis à l'écran, c'est juste fou. C'est le premier teaser officiel de la saison 3. Donc on va en parler après, je vais vous montrer aussi ce qui a été dit, les théories, etc. Avant, regardez ce qu'on voit en bas à droite. On voit bel et bien l'île de Bob l'éponge. Donc il y a du très lourd qui va arriver et on va parler. Du coup les gars, comme je vous ai montré et vous l'avez vu, c'est juste fou. C'est le premier teaser de la saison 3 et il annonce du très lourd. Alors ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer les tweets qui ont été dits à propos de ça. Et oui, voilà ce qui a été dit, etc, etc. Je vais tout vous mettre à l'écran pour ça que vous allez pouvoir lire, etc. Et c'est des théories juste folles et si ça arrive, ça serait trop bien. Donc du coup, je vous laisse regarder. Tac. Du coup les gars, voici une petite capture que j'ai pris de mon Twitter, venant du Twitter de Yante tout simplement. Regardez ce qu'il met. Je viens de penser à un énorme truc. En gros, cette saison serait comme le monde de Bob l'éponge. Et on marchera sous l'eau. On pourra monter. Et la seule surface sera l'île avec les trois palmiers. Comme dans Bob l'éponge. Imaginez juste ça. En gros, le gameplay sera tout le temps sous l'eau. Ce serait incroyable. Et je rappelle que ce serait juste une saison. Mais ce serait juste fou qu'ils aient ça. Vraiment, ce serait incroyable. Donc du coup les gars, comme je vous dis, tout simplement, on va avoir peut-être, même sur, allez, à 80%, parce que après voilà, qu'on va avoir un partenariat, avec Bob l'éponge. Et en plus je crois qu'il y a un jeu qui va sortir dans pas longtemps, un jeu Bob l'éponge, donc peut-être qu'il ferait un truc sur l'Epic Game Store, on verra. Mais en tout cas, ce serait trop bien. Un perso de Bob l'éponge en skin. Ça pourrait être chelou quand même, mais quand même, tu vois, un partenariat avec Bob l'éponge, ça peut être vachement bien. Donc du coup, aussi les gars, vous l'avez vu sur cette vidéo, désormais tout simplement, je pourrais vous montrer les preuves que j'ai. Donc on aura plus hein, de personnes hein, qui diront, je sais pas quoi, ah mais c'est pas vrai, nanana. Voilà, je viens de montrer les preuves, je vous ai montré le teaser, vous voyez bien qu'il y a trois palmiers comme Bob l'éponge, et là on est sûr à 80%, tu vois. Il n'y a pas trois palmiers, mettons, pour... Ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça par hasard, on connaît Epic Game. Donc à voir ce que nous réserve sa saison. Et puis à voir quoi. Du coup les gars, avant qu'on termine cette vidéo, il y en a beaucoup qui me demandent, pardon, est-ce que t'as des infos sur la sortie des skins. Et je le redis, pour le skin Cyclo, je n'ai aucune information. Vraiment aucune information. Par contre, concernant Loserfruit, le skin de Loserfruit, je vous l'ai déjà dit les gars, il va arriver le mercredi 3 juin à 2h du matin. Donc en gros, si vous préférez, mardi soir à 2h du matin comme chaque boutique. Et il sera disponible à 1500 V-Bucks avec ses danses, etc. Mais c'est le seul skin auquel j'ai une information. Mais pour le skin Cyclo, j'ai un truc à vous présenter, une théorie qui a été dite, par encore quelqu'un d'anonyme mais qui pourrait être vrai. Regardez ça. Donc les gars, comme je vous disais, pour le skin Cyclo, il y a une théorie qui est en train d'émerger sur Twitter. C'est la théorie que ce skin est le skin vraiment secret, parce qu'il y avait Deadpool, mais c'est un partenariat. Ce skin est le skin vraiment secret de la saison 2 du chapitre 2. Et c'est fortement possible. Et cette personne nous dit aussi que on pourrait le débloquer après l'événement. Donc après l'événement de samedi prochain, donc on verra en temps et en heure, c'est une théorie, je rappelle, c'est à prendre avec des pincettes, c'est une théorie, donc c'est pas forcément vrai, mais à voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas si c'est vrai, c'est du très lourd. Du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus, l'abonnement, c'est très important, je rappelle aux 2K, je vais montrer ma tête, j'ai déjà fait des petits teasers, ouais ma tête c'est un teaser, non sérieusement je me suis amusé sur ça. Et du coup aux 2000 abonnés, je montrerai ma tête, il y aura des facecams qui arriveront pour les mois à venir. Et du très lourd aussi, du très lourd qui arrivera. Mais bon, ça, voilà. Et aussi très important, le code créateur Zatireron-Melo. Sur ce,
C'était Mélo, moi je vous dis à tout à l'heure. Peace.